Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une rapide démonstration du thème Azale qui est vendu sur la plateforme ThemeForest. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur la page d'accueil du site de démonstration de Azale, en fait, il vous est proposé une multitude de mises en page différentes selon la thématique principale de votre thème. Donc, selon que ce soit un site vitrine, un blog, une boutique en ligne, et vous avez même différentes présentations. Donc, en fait, il y en a un peu pour tous les goûts, et c'est ce qu'on appelle un thème multi-utilisation, en fait. Voilà. Donc, on peut faire une combinaison des différentes présentations. Donc, bon, vous inquiétez pas si l'une ou l'autre ne retient pas votre attention dans son intégralité. Voilà, vous pouvez faire des combinaisons. Donc, ce thème va vous permettre aussi bien de faire des sites vitrines que des boutiques en ligne ou des blogs, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez que, bon, niveau présentation, donc vous avez différentes possibilités avec des sliders, ça va mettre un peu de temps, excusez-moi. Donc on peut avoir des portfolios, des articles de blog, une boutique en ligne. Vous voyez des images d'arrière-plan. Entre nous, il faut mettre des images de qualité. Donc voilà. Donc là, en fait, l'image, elle prend toute la page. Bon, c'est un diaporama qui fait son effet, mais bon, oui, sur lequel il y a très peu de texte. Donc ça a réservé sur des sites qui vont bien avec cela. Donc si on va faire un petit tour sur les différentes types de pages, donc on va pas trop s'attarder. Vous voyez que vous pouvez avoir pas mal de fonctionnalités assez sympas d'affichage, de compteurs, des tables de prix. Voilà, l'affichage des logos des clients. Bref, présentation de l'équipe aussi. Voilà, peut être sympa, c'est assez à la mode tout ça. Donc ensuite, on va regarder. Donc, à propos, l'histoire, voilà, bon, ça reste tout de même traditionnel. Vous voyez, en fait, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Hein. C'est ce qu'ils disent. Hein. En fait, on peut combiner, pardon, les différents éléments d'une page à l'autre. Donc là, vous voyez, on a une présentation d'équipe un peu différente, un peu plus sobre, on va dire, et où on a les compétences par équipe au lieu que ce soit par membre. Donc voilà, on va voir un petit coup du côté du blog. On va prendre, tiens, en maçonnerie. Moi, en général, j'aime bien en maçonnerie. Voilà, je trouve que c'est un peu dans l'air du temps. Je préfère ça aux présentations aux grandes images. Donc là, vous voyez que bah, si vous avez des vidéos, vous pouvez. Voilà, vous entendez, je vais la couper parce que sinon vous n'allez plus me comprendre. Vous pouvez visionner directement sans être sur l'article. Après, bon, on va aller du côté de l'article. Voilà, donc vous voyez que la vidéo s'affiche en grand. Donc pour ceux qui veulent publier des vidéos sur leur site ou blog, ça peut être sympa. Vous voyez, là on est en pleine page. Donc ça permet de faire des articles vidéo assez sympas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Donc single post, bon, enfin, ça va être à peu près pareil. Donc on va passer plutôt au blog avec avec la barre latérale, pardon. Histoire de vous montrer un peu. Voilà. Et on va terminer donc par la boutique. Vous pouvez donc choisir avec barre latérale, comme vous voyez ici, ou sans. Bon, après, ça, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies.
Donc vous voyez qu'on a cette fois-ci un thème relativement épuré. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce thème. On va pas tout voir en détail, on va pas passer la journée dessus. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller faire un tour du côté de wp-traduction.com. Si vous décidez d'acheter le thème Azal, vous y trouverez donc sa traduction qui est déjà réalisée, donc au tarif de 15 € TTC, TVA récupérable, et vous trouverez aussi d'autres traductions de thèmes et d'extensions WordPress, et si jamais vous ne trouvez pas la vôtre, vous pouvez la commander, les tarifs sont affichés sur la page d'accueil. Eh bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec cette démonstration vidéo, je vous dis à bientôt pour une autre. Ciao, ciao.